Oh waouh, je suis désolée, je ne peux pas vous laisser la musique. Oh waouh, je suis désolée, ah je ne peux pas vous laisser la musique. Oh waouh, je suis désolée. Ah est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais plus quoi faire. Moi, je travaille encore demain, juste le matin, parce que l'après-midi, je vais me faire tatouer. Mon bras sans tatouage, ce sera une des dernières fois que vous le verrez. Coucou! Comment allez-vous? Je suis éclatée, mais je suis trop contente de vous retrouver. C'est le premier stream en tant qu'affiliée sur Twitch. MDR, ta voix, elle a quoi ma voix? Merde! Oups! Du coup, je vous montre parce que je suis trop contente, il est trop beau. Donc il est comme ça. Et quand on tourne, il est comme ça. Et il fait tout le bras, mais c'est compliqué de tout montrer. On fait le moulin. Et on fait tourner les serviettes. Le train de la hype numéro 2 entre en gare. Au revoir à tous les voyageurs. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on aille désamorcer la bombe. Le compte à rebours a commencé. Quel fil? Le rouge, le bleu? Oh waouh, là ça va être vraiment, on replonge dans le bain mais d'un coup quoi. Et l'eau elle est froide hein. Elle est vraiment froide. Pourquoi t'as beaucoup de viewers? Bah parce que je suis très drôle, tout simplement. Parce que je suis incroyable. Il est où mon feutre d'ardoise? Ah, il est là-bas. J'en ai pas un autre? Attendez! Une boîte entière de fournitures scolaires! Il n'y a même pas de feutre d'ardoise là-dedans. La question, ça va être, où est l'Est? Du coup, on va se la poser la question. Mais où est l'Est? Et à partir de là, on enlève les petites traits ici et on fait un L en symétrie. Ça fait nord-sud, ouest-est. Action interdite utilisée. Action interdite, c'est quoi? Tu peux pas parler. Non, mais les gars, vous pouvez pas faire ça. Bah, tu peux pas parler, on va se faire chier. Oh, si je ne peux pas parler, je peux chanter. Alors je pense que l'on va s'amuser. Est-ce que j'ai trouvé une solution pour contrer cette punition? Pour placer un petit toit, nous utiliserons nos doigts. La 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 la. Je ne sais pas pourquoi, je ressens l'envie de bouger mes épaules. Ah! Je suis en train de pleurer, de rire. Il faut que j'aille chercher des mouchoirs. Regardez, je chiale mon douleur. Tu es rouge comme une tomate, comme un nez de clown. Ta couleur ressemble beaucoup trop à ton arrière-plan. Et tu fais maintenant partie de ces gens qui parlent de à la troisième personne du singulier. J'en peux plus. Pire action. Blablabla, blablabla, bla, 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 bla. Bla, 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 bla. On va avoir plein de boudillons. Pardon, j'arrête. Je crois qu'il y avait un cours de scénario là que j'ai lu une histoire. Alors du coup, le truc que je voulais lire. Le super-héros qui creusait son trou. La prof, elle nous a dit ok, le truc c'est le super-héros qui creuse son trou. Donc elle nous donne le titre, c'est ça. Il y a le genre et la durée. Et donc en gros elle nous dit juste ça. Jusqu'à la fin de l'heure, vous écrivez une histoire sur ce super-héros qui creuse son trou. Genre drame, durée 2 minutes. Message, l'impact de l'amour sur la survie dans la maladie. Un super-héros creuse un trou sous les yeux émerveillés d'une petite fille. Une cape ou un costume serait superflu. Un vrai super-héros se repère de loin. Il creuse, une pelle entre les mains, le vent dans les cheveux. La petite fille le scrute, avec dans les yeux autant d'amour que d'admiration. « Pourquoi tu creuses ?» demande-t-elle. Il lève les yeux de son travail acharné et hausse les épaules. « Je creuse, » répond-il. L'admiration devient de la colère, mais le simple fait de rester à ses côtés rend la petite fille à nouveau heureuse. Le super-héros fatigue, mais la petite fille reste là. Elle rêve secrètement de pouvoir rester à jamais à ses côtés, que jamais il ne cesse de creuser. Ce super-héros-là est bien particulier pour elle. Il a le pouvoir de la rendre heureuse. Quand elle est triste, quand elle a un souci, il est là. Et sans rien faire de particulier, il soigne ses blessures. C'est un peu son ange gardien. La fille observe toujours son super-héros. L'automne est arrivé, mais il creuse toujours. Les feuilles quittent les branches de la même manière que les cheveux du héros quittent son crâne. Il ne semble heureux que lorsque la fille le regarde. Et comme ils font le bonheur l'un de l'autre, elle est décidée à rester près de lui.
L'hiver est arrivé et le super-héros s'est bien affaibli. La femme le regarde avec beaucoup de peine. Elle sait que la source principale de son bonheur ne sera bientôt plus. Elle lui sourit une dernière fois. Elle sait bien qu'il a tout fait pour creuser le plus longtemps possible. Elle sait bien que son seul souhait était de voir la petite fille devenir femme. « Je suis fière de toi », articule-t-il faiblement, avant de lui rendre son sourire, son dernier sourire sûrement, et de s'écrouler dans le trou. Des larmes perlent sur le visage de celle qui autrefois n'était qu'une petite fille, la sienne. Et, dans une peine qu'elle n'avait jamais connue, elle lui chuchota « Moi aussi, papa, je suis fière de toi ». Oh waouh ! Je me souvenais pas du tout que j'avais écrit ça. C'est une blague! C'est une blague! J'en ai marre! Une minute de stream et c'est déjà le bordel! Croyez-moi quand je vous dis que je ne le fais vraiment pas exprès! Du coup, on est hyper énervé pour faire le pas le droit de parler parce qu'on crie. Ou je peux chuchoter. Faudrait qu'on trouve un moyen de faire un live karaoké qui permette de participer à plusieurs. Tu te nourris toujours de gnocchi? Qui demande ça? C'est quelqu'un qui me connaît dans la vraie vie, non? Mais oui, je me nourris toujours de gnocchi, j'en ai mangé à midi. La position la moins confortable pour regarder un film, Max, là! A few moments later. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. Ah! Attends, on peut éteindre la lumière SVP? C'est pas Versailles ici, ok? C'est Versailles, on pleure trop beaucoup sur Versailles.